Aujourd'hui, c'est une étape importante pour Classe Tracteur puisqu'on met la première pierre de la nouvelle académie qui sera basée sur le site du Mans. C'était pas prévu dans Classe Force, c'est une nouvelle étape. Pourquoi investir sur une nouvelle académie? C'est parce que justement, il y a cette attente d'être proche de l'outil de fabrication, d'avoir des nouvelles façons de faire la formation, d'avoir un outil premium. Nous, on a deux missions. La première mission, c'est de créer les contenus de formation que nous allons alors transférer vers les formateurs des académies locales. On a un tiers de notre activité qui est réellement dédié à la formation des formateurs locaux, ce qu'on appelle nous le Train the Trainer Process, et donc les deux autres tiers qui est dédié à la formation des techniciens des différents pays dans le monde. 40 pays différents vont venir nous rejoindre pour suivre une formation. 600 participants par an. Donc ça représente 1500 jours de formation et 3000 heures de formation en distanciel. On est sur la création d'un nouveau bâtiment dédié pour de la formation qui va faire environ 1300 m² couverts. Donc avec deux ateliers complètement équipés pour le développement des compétences des techniciens et des formateurs des différents pays. Donc on a voulu ce bâtiment en fait penser sur deux axes. Donc le premier axe qui était plutôt la partie développement des compétences, aspect sur la pratique en présentiel. Et on avait une deuxième partie qui est la formation à distance et le développement des nouvelles technologies dans la formation. En termes d'investissement sur le nouveau bâtiment, on est aux alentours d'€1,8 million. Une livraison prévue pour le mois de juillet 2022. Les premières formations en octobre. Elle reste très accessible, que ce soit par le TGV et donc l'aéroport, avec des capacités aussi d'hébergement, puisque quand on va accueillir les personnes à former sur le Mans, c'est environ 1000 nuitées d'hôtels.